Protocole d'accord. Lieu, salle du 28 septembre du Palais du Peuple. Date 10 janvier 2019. Entre d'une part le gouvernement de la République de Guinée, représenté par M. Lansana Kamara, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Lili Nankuma Dupuya, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la Monsieur Maurice Sangaré, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur Ismaël Troubaté, ministre du budget. Monsieur Mohamed Mounir Kamara, conseiller climatisme. Monsieur Harouna Bérété, conseiller climatisme. Docteur Junko Madi Touré, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Monsieur Mohamed Traoré, chef de cabinet, fonction publique. Monsieur Alpha Amadou Ba, conseiller, fonction publique. Monsieur Sini Sila, conseiller, ménage. Monsieur Ousmane Bangoura, Préma, fonction publique. Monsieur Ibrahima Kalim Gali, budget, ministère du budget. Monsieur Ouere Ernest Ndaboubi, ministère du budget. Monsieur Alice Nisikou Kamara, ministre de la fonction publique. Monsieur Mohamed Gané, chef DRH MENA. Monsieur Ali Salou Keta, chef DRH, ministre de l'enseignement supérieur. Monsieur Abdrahmane Aziz Diallo, chef division budget. Monsieur Aboubakar Aïssata Diallo, chef division solde. Monsieur Toumani Keta, chef division, ministre de la fonction publique. Monsieur Moussa Keta, ministre de la fonction publique. Monsieur Mamadou Youlde Bari, ministre de la fonction publique. Monsieur Mamadou Fofana, ministre du budget. Monsieur Doudou Crespin Keta, ministre du budget. Et d'autre part, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-Sleg, représenté par Monsieur Aboubakar Souma, secrétaire général. Joseph Traoré, bureau exécutif national. Monsieur Adrien Bami, bureau exécutif national. Madame Hawa Ba, bureau exécutif national. Madame Mariama Donzo, bureau exécutif national. Monsieur Salino, bureau exécutif national. Monsieur Fatou Silla, bureau exécutif national. Monsieur Bassi Gérard Souamou, bureau exécutif national. Monsieur Aboubakar Silla, bureau exécutif national. Monsieur Mamadou Aliou Sall, bureau exécutif national. Monsieur Mohamed Bangoura, bureau exécutif national. Monsieur Mori Moussa Keta, bureau exécutif national. Avec l'appui de l'USTG, représenté par Monsieur Abdoulaye Sow, secrétaire général. Secrétaire général adjointe. Madame Mariama Touré, secrétaire général adjointe. Monsieur Abdoul Gadou Diallo, USTG. Monsieur Amadou Diallo, USTG. Monsieur Mamadou Salim Kamara, USTG. Monsieur Mahoudia Sen, USTG. Monsieur
Mamadou Bilo Diallo, USTG. Madame Conte Adam Abba, USTG. Elhaj Ibrahim Doumbouya, USTG. Sous la facilitation de M. Thibaut Camara, ministre d'État. Avec la médiation du Dr Alia Camara, inspecteur général du travail. Assisté de M. Guimé Camara Igap, Madame Faber Zenab Camara Igat et M. Amarade Camara, assistant à l'IGT. Objet. Application du point 3 du protocole d'accord du 13 mars 2018. Suite aux difficultés liées à l'application du point 3 du protocole d'accord du 13 mars 2018, relatif à l'ouverture d'emploi de négociation pour un salaire de base de 8 millions qui ont entraîné le déclenchement d'une grève générale communiquée, conscient des perturbations enregistrées dans le déroulement normal des programmes d'enseignement scolaire depuis l'ouverture des classes, et face à l'inquiétude des parents d'élèves soucieux de la reprise normale des cours et de l'achèvement des programmes d'enseignement scolaire, le gouvernement et le SLEG, avec l'appui de l'USDG, ont entrepris des négociations qui ont abouti aux accords ci-après. 1. Le dégel exceptionnel des salaires des enseignants pendant la période de grève, octobre-novembre. À compter du lundi 21 janvier 2019 d'une commission mixte gouvernement USTG SLEG en vue de procéder à l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. Les économies réalisées après cet assainissement seront affectées sur le salaire de base sans aucune incidence financière et sans que cela ne se traduise par une augmentation. Les modalités de répartition en seront définies en commun accord avec les acteurs concernés. Le gouvernement mettra à la disposition de cette commission les ressources nécessaires pour la réalisation de cette opération. 3. Le rétablissement des enseignants mutés et démis de leurs fonctions à leur poste initial. Dans les institutions d'enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. 4. L'engagement à la fonction publique des 10 homologues de l'Université de Kindia. Le virement automatique des salaires après les opérations d'assainissement du fichier du corps enseignant. En attendant, il sera fait recours au biais tard pour faciliter les vérifications. Contrôle physique des enseignants. 6. Le déblocage des prêts bancaires aux enseignants. 7. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et du travail des fonctionnaires, le gouvernement a initié un vaste programme de construction des logements sociaux, dont priorité sera donnée aux enseignants, aux médecins et aux magistrats. 8. Le respect des libertés et droits syndicaux. 9. La poursuite du paiement des 40% d'augmentation de salaire accordé aux enseignants ayant fait valoir leur droit à la retraite au 31 décembre 2017. 10. La mise en place d'un comité mixte gouvernement USDG-SLEC de suivi et évaluation du présent protocole. 11. Les partis s'accordent que nul ne sera sanctionné ou poursuivi pour fait de grève. 12. Le SLEG s'engage à organiser des cours de rattrapage à tous les niveaux pour combler le retard accusé dans le calendrier scolaire.
à monsieur le secrétaire général de l'USDG pour la conclusion. Je laisse la conclusion.